C'est à moi que tu parles? Hier, j'étais en conversation avec Power Jumper et Cradock. Eh, vous vous rappelez quand même à l'époque Fortnite, c'était pas du tout la même chose, hein. Genre, vous regardiez qui, vous, comme youtubeur? Moi, je regardais Gotaga à l'époque, il faisait des Master Keys, c'était incroyable. Ah ouais, l'époque des Royal Rumble, en vrai, c'était une dinguerie, frère. Ah, avec tous les youtubeurs, streamers et tout. Ouais. Il y avait le Bouzeux, il y avait The Kairi et tout. Même ah ouais, les trolls, frère, c'était trop bien, gros. Ah, les premières vidéos de Mich Mich. Et je me suis dit, et si on allait voir ensemble la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne? Je pense que c'est la vidéo avec laquelle vous m'avez tous majoritairement connu. Bon, c'est bon, j'ai enlevé le filtre, c'est bon. La vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, elle a fait 8,2 millions de vues. C'est la vidéo où j'ai défié ces trois noobs en 1v3 sur Fortnite. Voici ce qui s'est passé. Je pense que c'est la vidéo sur laquelle le plus de gens m'ont connu. On va aller voir combien d'abonnés est-ce qu'elle m'a fait gagner cette vidéo. Là, c'est flouté, vous pouvez pas voir combien de bif elle a ramené. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur combien est-ce que j'ai gagné sur YouTube depuis que j'ai créé ma chaîne? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez, on pourra faire ça. Et cette vidéo là, les gars, elle m'a fait gagner 113 000 abonnés. Une vidéo m'a fait gagner 113 000 abonnés. C'est énorme. C'est énorme, vous pouvez demander à qui vous voulez. Une vidéo qui fait gagner 113 000 abonnés, c'est énorme. C'était dans les débuts de Fortnite, c'était au début du terrain de jeu et tout. C'était il y a 4 ans les gars, le 21 octobre 2018. On dirait que c'était il y a pas si longtemps que ça, sauf que c'était à 4 ans, putain. C'est à dire que j'avais 17 ans, là j'en ai 21. Ça, le temps il passe. Moi si je joue, je vous prends 3 VS1, y'a pas de soucis moi. Ouais. Ah ouais, tu m'as brain. Oh, je suis mort. Oh, l'époque du terrain de jeu, qu'est-ce que c'était drôle quand même, putain. L'horloge, l'horloge de tilted. L'époque où il fallait ramener tout le shit d'à côté de là où tu build fight pour pouvoir avoir une grosse réserve. Oh là 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 là. Oh, tu partais en build fight comme ça. Oh, je suis mort. Oh non. Oh, l'époque de fou. D'ailleurs, j'avais vu un mec, il avait fait un TikTok sur moi, sur cette vidéo là, justement. Il y avait plein de commentaires, une masquille de l'époque de fou, etc. Et yo boy, etc. Le TikTok, il avait fait beaucoup de vues en plus, je crois. On est tous français. Ouais, c'est français. Ah ouais, là, c'est. Apparemment, à 22h, il y a des français, quoi. Du coup, moi, bah, je viens de commencer à jouer. Très bon, j'ai le compte de mon frère en fait qui lui joue à Fortnite. Ah ouais, ok. Et du coup il m'a dit va en terrain de jeu comme ça tu t'entraînes. Et tu sais vraiment pas jouer à Fortnite du coup? Bah je... Il m'a mis des touches pour construire, mais je sais pas, tu sais, j'ai pas encore les... La mémoire pour les, pour m'en rappeler quoi. Oh regardez, oh, regardez les 90 et tout. Oh, je restais sur la hauteur, je bougeais pas. Après c'était comme ça qu'on jouait, hein. Moi il m'a mis que dalle tellement il pue. Ah ouais, c'était vraiment des rageux. Ah, ils avaient le démon contre moi. Mais il veut quoi lui? Ils avaient tellement le seum. Par contre, c'est vrai que c'était pas ouf. Allez, un moi. Mais la chatte. Ouais, la chatte, ouais. Attends, on va voir s'il y a eu des commentaires il y a pas longtemps. 2022, je cherche les coms de 2022. On va mettre un commentaire. Je cherche aussi les commentaires de 2022. Au moins si vous passez par là. Prends pas ce qu'il y a par terre. Celle-là elle était belle, hein. Prends pas ce qu'il y a par terre, c'est pas... Faut pas. Dites-moi, vous regardiez qui au début de Fortnite? Je sais qu'il y avait des gros youtubeurs quand même, comme Tixi. Il y avait le Bouze aussi qui faisait beaucoup de vidéos. Michou. Ouah, putain, les gros... Putain, le prime de Fortnite, le prime. L'époque du world record de Tixi, c'était à 4 ans aussi. C'était la vidéo qui a fait le plus de vues chez lui. Elle a fait 14 millions de vues. Mais what? Il y a 4 ans, il avait fait 45 kills. Même maintenant, tu les fais pas les 45 kills, c'est énorme. Il a tué la moitié. Oh là 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 là, il y a eu trop de masterclass en fait. Il y a eu trop de masterclass au début de Fortnite. Ah, j'avais payé un joueur pro. Le fameux joueur pro qui était pas du tout pro. Il était totalement nul. Viens, ouais, je te le... Je vais t'entraîner un peu. Ah, putain, tu fais quoi là? Je m'excuse, j'ai pas fait exprès. En fait, je savais pas que ça allait te toucher. Des fois, en fait, je vois Ninja, il fait ça en partie. Bah, t'es pas Ninja, calme-toi. Donc calme-toi. Oh, je suis mort. Oh, les gars, j'avais fait un troll, il était incroyable. J'avais pris des potes à moi pour faire une game en squad et je les expulsais à travers le menu Fortnite et ça les expulsait dans la vraie game. Les gens au début ils comprenaient pas trop la technique, mais c'était un troll de fou furieux, c'était trop drôle. Les potes, je vous jure. En gros, imaginez, vous êtes en squad, tu vois. T'es chef du groupe, tu peux expulser les gens qui sont dans ton groupe en pleine partie, mec. Ça c'était un truc de fou. Je vous rappelle les gars, c'était un truc de fou ça. T'es vu en premier? Mais passe frère. Et du coup, je leur demandais leurs armes, Tu vas le regretter, passe. Toi, c'est qu'un pompe, là. Ok, c'est moi, t'as cherché la merde, gros. Hop là. Ok, les potes, je crois. Eh, les gars, cette vidéo Masterclass de fou. Dites-moi sur quelle vidéo, les gars, ce que vous m'avez connu. Dites-moi sur quelle vidéo. Il y en a aussi, je sais, qui m'ont connu beaucoup sur cette vidéo-là. Elle était incroyable. L'époque du skin Galaxy, les gars. L'époque où il y avait tout le monde qui cherchait à voir s'ils avaient un téléphone Samsung ou pas pour avoir le skin Galaxy. Si tu me donnes l'autorisation dans les 10 prochaines secondes, je l'exclus. Et je te donne les 2000 V-Bucks. Ok, l'autorisation a été donnée. Et voilà, c'est lui qui a été exclu. Jamais j'exclurais sous le respect de quelqu'un d'autre. Ouais, voilà, c'est parfait. Tu vois, je suis quelqu'un de sympa. Ah, je vais le faire. Oh là là, quand même, on pouvait retirer des gens de sa game normale, il y avait personne qui voyait de soucis à ça. Et c'était pas hyper connu comme bug à l'époque, hein. Et bien sûr, on faisait le top 1, rassure-moi. Voilà. Ouais, let's go. Le top 1.
Ça fait plaisir ça. Les gars, il y a les gars vidéo que j'ai envie de voir à 100% les gars, c'est sûr. Les gars, j'ai envie de la voir. La vidéo ou celle-là. J'avais essayé de rejoindre la team Fortnite d'un mec et du coup, il voulait me faire passer des tests et tout en BF. Sauf que le mec il était hyper gentil et tout, tu vois, et du coup, nous on le trollait, on se faisait passer pour des noobs alors qu'on était on avait un bon niveau. Regardez mon tout petit pseudo, pas du tout, il est super long. Hey yo boy, how are you? Ceux qui me soutenaient avec ce code créateur, les gars, vous êtes vraiment mais des rois, les gars, vous êtes les meilleurs. Ceux qui mettaient le code Hey yo boy, how are you? Mais vous êtes des titans. Maintenant, mon code c'est UMS, c'est beaucoup plus simple à écrire et vous pouvez pas vous tromper. Mais ceux qui mettaient Hey yo boy, how are you? Je sais qu'il y en avait pas mal qui le mettaient quand même, vous étiez des frères. Le code UMS dans la boutique. Avec mon pote Zenvince, malheureusement, il fait plus de vidéos Zenvince, mais putain. Ceux qui se souvenaient, les gars, j'avais fait beaucoup de vidéos avec lui. Malheureusement, sa chaîne, voilà, vous le voyez, elle a été bannie. Elle existe plus, sa chaîne, alors qu'on avait fait tellement de vidéos avec lui, elles étaient incroyables. Vas-y. Merde. Mais tu Il est malade. Il s'est tiré une roquette sur lui-même pour faire genre. Non, il est malade. Là, c'est à mon tour de le bullfight. Je t'en passe. Le terrain de jeu, les gars, je vous jure, meilleur truc. Oh non. Bien, mais en vrai les gars, si vous aviez vu cette vidéo il y a 4 ans, on a tous grandi les gars, on a tous grandi. Si vous aviez 10 ans maintenant vous en aviez 14, si vous en aviez 13 maintenant vous en avez 17, enfin c'est ouf de se dire ça, qu'on a tous grandi ensemble entre guillemets. Attends, je suis curieux là maintenant, je suis curieux parce que maintenant qu'on a regardé mes vidéos, Power Jumper, sa vidéo la plus vue c'est quoi? Je suis curieux de voir. Ah c'est vrai que c'était l'époque aussi des hacks, où les mecs ils venaient dans ton lobby avec des skins qui étaient pas encore sortis. Il y avait qui aussi qui faisait ça? Il y avait un youtubeur aussi, Syriac qui faisait ça, il faisait exclusivement des vidéos sur ça je crois. Il t'apprenait à avoir certains skins et tout. Ouais, je débloque tous les skins. Ouais voilà. Il t'apprenait à avoir certains skins et tout. Il arrivait dans ton lobby avec le skin Galaxy 3 mois avant sa sortie. Mais il est mignon mon petit Power. Oh là là. Maintenant c'est autour de Cradock bien sûr les gars. Bien sûr que c'est autour de Cradock. Monter champion avec uniquement des snipers. Mais j'avais vu sa vidéo. Je l'avais vu cette vidéo je crois. On va essayer de monter champion avec uniquement des snipers. Yes. Oh là là. Ouais, je l'avais vu. C'était l'époque aussi. Il faisait beaucoup de trickshots, beaucoup de scopes et tout. Et qui passait dans les best of de Swain. Oh oui, putain, quelle époque aussi. Oh là là, les gars, on en a vécu des choses sur Fortnite. Il y a un mec dans la maison. Oh, ça m'a pas. Oh, bah le mec en face il a. Copain. On va le laisser pour la fin les gars, on va le trickshot lui. Voilà, regardez, il était déjà dans cette optique l'enfant, il est trop bon en trickshot quand même. Mais monter champion quand même, c'était un vrai challenge qui s'était lancé alors. Hein. Ah ouais, les défilés de mode aussi. En ce moment, il y a un peu moins de défilés de mode, il y en a toujours, mais il y en a beaucoup moins. J'ai jamais fait de défilé de mode les gars, dites-moi si vous voulez que j'en fasse un défilé de mode. Je suis archi chaud en vrai d'en faire un. J'en ai jamais fait, il y a aucun défilé de mode sur ma chaîne. Aucun défilé de mode. Et je me suis dit en vrai, pourquoi pas en faire un les gars. On prend beaucoup de youtubeurs, on fait un petit défilé de mode les gars. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le code UMS. On se laisse, je vous dis bonne journée, bonne fin de soirée les gars, c'était UMS. Ciao.